باش تريكي صبوراني دونك باش نصلح لكم سيري نيميرو 2 على ليزاكتيفيتي الجبريك دونك نبدا بالليكزارسيس الاولاني اون بوز سي ايغال فالور ابسولي دو 2x موانز ا موان فالور ابسولي دو 1 موان 3x بلس x دونك x un réel. Calculer c pour x égale racine de 2. On suppose maintenant que x entre 0 et 1 tiers, encadrer 2x moins a et 1 moins 3x, montrer que c égal 2x. Okay? Donc, on a besoin de la question numéro 1. Donc, je vais vous dire c égale valeur absolue de 2x moins 1 moins valeur absolue de 1 moins 3x plus x. Donc, l'aîné, calculer c pour x égale racine de 2. Donc, je dis x égale racine de 2. Donc, je m'entends 2 fois racine de 2 moins 1, valeur absolue. Donc, l'aîné, il fait aussi la valeur absolue. Est-ce que positif ou négatif? Bien sûr, 2 fois racine de 2, akbar min 1, donc positif. Maintenant, la valeur absolue de égale hier bida. Ok? Ou l'aîné, on dit 1 moins 3 fois racine de 2. Donc, l'aîné, est-ce que c'est positif ou négatif? Bien sûr, 3 fois racine de 2, akbar min 1. Donc, négatif, maintenant, moins 1, moins 3, racine de 2. Donc, est égal à 3 racine de 2, moins 1. L'année, mais il y a moins 1 plus 3 racine de 2. D'accord? Donc, je te dis, c égale 2 racine de 2, moins 1. La valeur absolue est égale à 2 racine de 2, moins 1. Moins 3 racine de 2, moins 1, plus racine de 2. Tu as vu, il nous dit, mais qu'il y a un dessin, moi, je vais les parenthèses, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, ok? Donc, égal. 2 racine de 2 moins 1 moins 3 racine de 2 plus 1 plus racine de 2. Donc l'aîné a dit 3 racine de 2, 2 racine de 2 racine de 2, puis t'as dit 3 racine de 2 moins 3 racine de 2 et moins 1 plus 1, donc égale 0. Voilà, donc pour x égale racine de 2, c'est égal 0. T'as dit la question numéro 2, donc on dit x entre 0 et 1 tiers, encadrer 2x moins 1 et 1 moins 3x. Donc, puisque x entre 0 et 1 tiers, donc 2x entre 2 fois 0 et 2 fois 1 tiers. Donc, 2x entre 0 et 2 tiers. On joue 2x moins 1. Donc, tout simplement, je marque moins 1. Donc, je dois aller indiquer 2x moins 1 entre 0 moins 1 et 2 tiers moins 1. Donc, 2x moins 1 entre 0 moins 1 et moins 1. On a le même dénominateur, donc on trouve 3. 2 moins 3, donc moins 1 tiers. Voilà, donc ici, on a mal un encadrement de 2x moins 1. Donc, donner un encadrement de 1 moins 3x, bien sûr, x entre 0 et 1 tiers. Donc, les nèmes, je voudrais avoir le hajaf 3. Donc, 3x entre 0 fois 3 et 0 fois 1 tiers. Donc, 3x entre 0 et... donc, 3, donc 3 fois 1 tiers, donc 1. Bah, t'es dit, je ne dois pas faire moins, je vais dire moins 3x. Donc, je ne vais pas décoller, je dois dire moins 3x entre l'aîné 1 fois moins 1 et 0 fois moins 1. Coupe direct, je me fais moins 3, mais je vais me faire plus. Donc, moins 3x entre moins 1 et 0, bien sûr, je vais dire 1, 1 moins 3x, pardon, entre, donc 1 moins 1, maintenant. L'aîné 0 et 0 plus 1, donc 1. Finalement, on a encadré 1 moins 3x, donc 1 moins 3x entre 0 et 1. Voilà. Donc, regardez le petit b, montrer que c égale 2x. Donc, la région a l'aîné, bien sûr, on a x entre 0 et 1 tiers. L'encadrement de x, très important, parce qu'on a une valeur absolue. Donc, x... encadrement de x entre 0 et 1 tiers. Donc, la région anane, c'est égal valeur absolue de 2x moins 1 moins valeur absolue de 1 moins 3x plus x. Donc, madame x entre 0 et 1 tiers, je m'entends 2x moins 1. Je trouve un encadrement donc, de 2x moins 1. Déjà, elle est énergique, tu fais la question petit a. Donc, tu as là, donc, les 2x moins 1 entre moins 1 et moins 1 tiers et 1 moins 3x entre 0 et 1. Je vais mettre 2x moins 1 entre moins 1 et moins 1 tiers. Je vais mettre négatif. Donc, valeur absolue de 2x moins 1, valeur absolue de haja négatif, donc radat négatif, ou moins 2x moins 1, donc qui est égal à moins 2x plus 1, donc égal à 1 moins 2x. Ou l'aîné 1 moins 3x entre 0 et 1 moins 1 positif. Donc, valeur absolue de 1 moins 3x égale 1 moins 3x. Donc, on dit l'aîné fait c ou la haut. Donc, c égale valeur absolue de 2x moins 1 lié 1 moins 2x moins valeur absolue de 1 moins 3x moins 1 moins 3x plus x. Donc, égale 1 moins 2x moins 1 plus 3x
plus x. Donc, on dit 1 moins 1, je te dis, moins 2x plus 3x. Donc, moins 2x plus 3x, maintenant x plus x égale 2x. Donc, finalement, ah oui, on sort une OCI égale donc 2x. On sort le résultat. Et lui, c'est pas l'air. OK? Dans l'exercice 2, donc, soit A un réel tel que A entre moins 4 et moins 1 tiers. Donner un encadrement de 1 sur A et de moins 2 sur moins 1 plus A. Représenter sur une droite graduée les ensembles A égale X, donc un réel tel que X plus 1 entre 1 et 2. X, l'ensemble BX un réel tel que 1 sur X plus 1 entre 1 tiers et 1 demi. Montrer que pour tout X différent de moins 2, on a 2X plus 3 sur X plus 2 égale à 2 moins 1 sur X plus 2. Soit X un réel tel que X entre 2 et 3. Donner un encadrement de 2X plus 3 sur X plus 2. Ok, donc, arme un effort personnel, on va chauffer la collection. Donc, on va faire l'exercice interne. Donc, je suis A entre moins 4 et moins 1 tiers. Donc, la question donnait un encadrement de 1 sur A. Donc, A entre moins 4 et moins 1 tiers, 1 sur A. Donc, bien sûr, je suis l'inverse. Donc, je suis moins 1 sur 4 ou je suis bien sûr, je suis moins 3. Je suis maintenant l'année. A. Donc, Andy A entre moins 4 et moins 1 tiers. L'inverse, donc je n'aime l'inverse de 1 sur A. L'inverse de A ou 1 sur A. Donc l'année, bien sûr, je n'aime l'inverse. L'année, je n'aime l'inverse. Donc l'inverse de moins 4 ou moins 1 sur 4. Ou l'inverse de moins 3 ou moins 1 sur 1 sur 3. Donc est égal à moins 3. Bien sûr, l'année, elle est au lieu moins 1 sur 4, akbar min moins 3. Donc, l'aîné, je suis moins 1 sur 4, ou l'aîné, je suis moins 3. Avec un jour, je suis l'inverse. Donc, l'aîné, il est égal. L'aîné, qui est en moins 4. Donc, moins 1 sur 4, moins 1 sur 3, moins 3. Donc, ok, on continue. Un encadrement de 1 sur A. Ça va donner un encadrement de moins 2 sur moins A plus 1. Donc, un encadrement de moins 2 sur moins A plus 1. Ok? Donc, c'est même petit a ou petit b. Donc, bien sûr, on dit un encadrement de a entre moins 4 et moins 1 tiers. Donc, un encadrement de moins 1. Je m'entends moins 1. Je m'entends que je dois faire moins 1. Moins 1, négatif. Donc, je dois faire moins 1 ou je dois faire moins 1. Je suis ici l'aîné, bien sûr, je suis ici. Donc, moins 4 fois moins 1, je dois dire 4. Et moins 1 tiers fois moins 1, je dois dire 1 tiers. Ok? Bah, je vais faire moins 1, je dis 1. Donc, moins 1 plus 1 entre 4 plus 1 et 1 sur 3 plus 1. Donc, Hélipstatini moins 1 plus 1 entre 5. Ou l'aîné, même dénominateur. Donc, 3 sur 3. 3 plus 1, je dis 4 sur 3. Mais, je vais l'inverse de moins 1 sur 1. Je vais faire l'inverse, donc je vais faire. Je vais faire 1 sur moins 1 plus 1 entre 3 sur 4 et 1 sur 5. Donc l'inverse de 4 sur 3 ou 3 sur 4 ou l'inverse de 5 ou 1 sur 5. Donc on va changer le moins 2. Moins 2, négatif. Donc on va changer le moins 2. Donc je vais aller à moins 2 sur moins a plus 1 entre, donc moins 2, maintenant, je dois aller moins 2 fois 3, maintenant moins 6 sur 4, ou je dois aller moins 2 fois 1 sur 5, maintenant moins 2 sur 5. Donc finalement, je solde moins 2 sur moins 1 plus 1, entre moins 6 sur 4, je peux simplifier par 2, donc moins 3 sur 2, ou je dois moins 2 sur 5. Voilà. Dans la question les bas, donc représenter sur une droite graduée les deux ensembles suivants. Donc, ainsi les deux ensembles, que je sais mal une droite graduée. Donc, je vais dire l'ensemble A égale, donc x un réel tel que x plus 1 entre 1 et 2. Ben, je sais bien sûr l'ensemble A, c'est x, donc un encadrement de x. On dit x plus 1 entre 1 et 2. Donc, ici, nous avons 1. Maintenant, nous avons moins 1. X plus 1. Je vais mettre l'année. Je vais mettre moins 1. Donc, bien sûr, l'année, je vais mettre 1 moins 1. Et, donc, autre couleur, l'année, et 2 moins 1.
Donc, je suis allé à l'inné, donc je suis allé à 1 moins 1, 0, moins x entre 0 et 2 moins 1 et 1. Donc, l'inné, on sur une droite graduée. On va faire l'ensemble B. Donc, l'ensemble B égale x, un réel tel que 1 sur x plus 1 entre 1 tiers et 1 demi. Bien sûr, l'inné, kif, je vais un encadrement de x. Donc, on dit 1 sur x plus 1 entre 1 tiers et 1 demi, qui est l'inverse, donc je vais l'inverse je dis x plus 1 entre 2 et 3. L'inverse de 1 demi ou 2, et l'inverse de 1 tiers ou 3, okay? Donc, top, je vais un encadrement de x, bien sûr, je vais moins 1, donc x plus 1 moins 1 et 3 moins 1, ou l'inné a dit 2. Bien sûr, moins 1. Étape par étape, donc je suis allé finalement x entre 2 moins 1 entre 1 et 3 moins 1 et 2. Voilà. Donc, les deux ensembles là-dedans. L'ensemble où x entre 0 et 1. L'ensemble x entre 1 et 2. Donc, l'ensemble où x entre 0 et 1. Donc, 0 mange d'air. Donc, l'énigme 0 et 1. Voilà. Et l'ensemble B, elle est l'ensemble A, donc l'ensemble B entre 1 et 2. Donc, autre couleur, donc 1 et 2. Donc, elle est l'ensemble B. Ou elle est l'ensemble A. Pardon, donc l'ensemble A. L'année, je vous 0 que j'ai mal tout. L'année, la khatr 0, moi, je dirais, je vous l'ensemble A, l'année, strictement. L'année, ou égal, donc l'A, d'air. Ok? Donc, on a les deux ensembles MT. T'as la question 3, montrer que pour tout. Donc, question numéro 3. Montrer que pour tout x différent de moins 2, on a 2x plus 3 sur x plus 2 égale à 2 moins 1 sur x plus 2. Alors, je l'ai x différent de moins 2. Je vais mettre moins 2 dans le dénominateur, je vais mettre 0. Mais on dit 0 dans le dénominateur. Okay? Donc, le type dans les questions, c'est que je vais mettre l'équation C, je vais mettre l'équation L. Donc, 2 moins 1 sur x plus 2 égale, même dénominateur, 2 fois x plus 2 sur x plus 2 moins 1 sur x plus 2. Donc, est égal à 2x plus 4 moins 1 sur x plus 2. Donc, est égal à 2x plus 4 moins 1 moins 2x plus 3 sur x plus 2. Finalement, quand on fait l'égalité, elle est habale. T'as la question 3. Donc, 3a. Soit x est un réel tel que x entre 2 et 3, donc, pardon, elle est B, A, donc 3B. Donc, donner un encadrement de 2x plus 3 sur x plus 2. Donc, il y a un encadrement de 2x plus 3 sur x plus 2. A-t-il x entre 2 et 3? Donc, je vais l'année x entre 2 et 3. Donc, 2x plus 3, je vais faire 2, 11 et 3. Donc, l'année 2 fois 2, 4. 4 plus 3, donc 7. Ou l'année 3 fois 2, 6. 6 plus 3, 9. Voilà. Donc, on va dire que j'ai un encadrement de x plus 2. Bien sûr, x entre 2 et 3. Donc, x plus 2 entre donc 2 plus 2, 4. Et 3 plus 2, 5. Top chambre, donc, sur et. Okay? Donc, 2x plus 3 sur x plus 2. Entre 7 sur 4 et 9 sur 5. Voilà. Donc, l'énemi est le hachet, la chatte est le positif. On est inférieur à 4, on est inférieur à 7. Donc, puisqu'on est positif, qui est le maximum à la base, donc, tu as pris kiff. L'exercice les bad donc soit ax égale x au carré plus 4x moins 5, calculer ax pour x égale 1 demi, puis pour x égale 1 plus racine de 2. Vérifiez que a de x égale à x plus 2 à la puissance 2 moins 9, factorisez alors a de x, soit bx égale x à la puissance 3 moins 1, et c'est x égale x au carré moins 1 plus x moins 1 fois x plus 2. Factoriser bx, c'est x. Factoriser alors ax plus bx, on déduit une factorisation de ax plus bx moins cx. Donc, on va faire l'exercice interne. Aux questions, donc, atini a de x égale x au carré plus 4x moins 5. Donc, question numéro 1, calculer ax pour x égale à 1/2. Tout simplement, je vais donner l'x de 1/2. Donc, a de 1/2 égale 1/2 au carré plus 4 fois 1/2 moins 5. Donc, 1/2 au carré, maintenant 1 au carré sur 2 au carré sur 4, plus 4 fois 1/2, maintenant plus 2,
moins 5. Donc, l'année, je t'attends 1 sur 4, 2 moins 5, moins 3. Je n'ai pas le même dénominateur, donc je t'attends 1 sur 4, je ne dois pas faire le 4, donc moins 12 sur 4, donc égale 1 moins 12, maintenant moins 11 sur 4. Donc, A de 1,5 égale moins 11 sur 4. Et pour x égale 1 plus racine de 2, donc le nez, je trouve A de 1 plus racine de 2. Now, l'x de 1 plus racine de 2. Donc égale à 1 plus racine de 2 au carré plus 4 fois 1 plus racine de 2 moins 5. Donc le nez 1 plus racine de 2, je n'applique qu'il cadre, il y a A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc je venais de résumer. Donc, je vais t'atténuer 1 au carré plus 2 fois 1 fois racine de 2, 2 racines de 2, plus racine de 2 au carré, le nez de développement, plus 4 racines de 2, moins 5. Donc, égal à 1, plus 2 racines de 2, plus 2, plus 4 racines de 2, moins 5. Donc, qui est égal à 1 plus 2, plus 4, moins 5, plus 2 racines de 2, plus 4 racines de 2. Donc, là, je t'attends 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7, donc, moins 5 égale à 2. Plus, là, j'ai 6 racines de 2. Voilà, donc, il y a A de 1 plus racine de 2. Donc, égale à 2 plus 6 racines de 2. Ok? Dans la question là-bas, donc, vérifiez que A de x, donc, là, et nous, A de x, pardon, A de x égale, question numéro 2, A, vérifier que A de x égale x plus 2 au carré moins 9. On a l'impression A de x égale x au carré plus 4x moins 5. Donc, les nez, nous revenons à l'aide. Donc, x plus 2 au carré moins 9 égale, bien sûr, les nez, nous avons le cadre lié à A plus B au carré. Nous allons faire comme ça. Donc, bien sûr, les nez, nous allons le rappeler, nous allons le faire. Donc, égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Qui fait-il ça? Attends, on a A plus B au carré, il y a A plus B fois A moins, fois A plus B. Donc, on a le développement, mais de préférence, on trouve table de Havdine, et puis je pour le vote. Okay? Donc, on a je t'attends x au carré plus 2 fois 2 fois x, on a 2AB, maintenant, il y a A ou il y a B, plus 2 au carré moins 9. Donc, égale x au carré plus 4x, plus 4 moins 9, donc égale x au carré plus 4x moins 5. Et dis-je non, et dis-je bien A de x, donc qui est égal à A de x. Donc, à quoi bien tenir nous A de x égale, donc A de x égale x au carré plus 4x moins 5, qui est égal, donc x plus 2 au carré moins 9. Voilà, donc, et nous A de x égale x. Okay. Donc, on parle de la question numéro, donc question 2b, factoriser alors a de x. Donc, les nez, je n'ai pas fait factorisation de a de x. Il y a bien a de x égale à x plus 2 au carré moins 9. Or, 9, je n'ai pas fait 3 au carré. Donc, égale à x plus 2 au carré moins 3 au carré. Et dit sous la forme a au carré moins b au carré. Donc, il faut que je comprenne. A au carré moins b au carré égale a moins b fois a plus b. Donc, les nez, j'ai une factorisation de donc, a de x égale x plus 2 au carré moins 3 au carré, qui est égal, donc, x plus 2, a lié x plus 2, donc, moins b, maintenant, moins 3, fois x plus 2, donc, plus b, maintenant, plus 3. Alors, a est x plus 2, ou le b est 3. Donc, égale x. L'aîné 2 moins 1, x moins 1, 2 moins 3, pardon. L'aîné 2 plus 3, 5, donc x plus 5. Et il y a une factorisation de a de x. Voilà. Donc, le cas de la question les bandes. Donc, question 3. Donc, je n'en atténifie. Question 3. Atténie b de x égale x à la puissance 3 moins 1. Atténie c de x égale à x au carré moins 1 plus x moins 1 fois x plus 2. Donc, question l'année factorisée, b de x et c de x. Je vais vous faire comme le cadre. Il y a a au cube moins b au cube égale a moins b fois a carré plus ab plus b au carré. Donc, l'année prochaine, je vais vous faire b de x. On dit b de x égale
x au cube moins a. Donc, a, il y a une chose 1 à la puissance 3. Donc, x à la puissance 3 moins a à la puissance 3. Donc, je suis en train de dire que je suis en train de dire que l'hénée, a, il y a x ou le b, il y a 1. Donc, je suis en train de dire que a moins b, c'est x moins 1 fois a au carré x au carré plus x fois 1, c'est plus x plus 1 au carré plus 1. Il y a le b de x. Ok, donc, il y a le b de x. T'as le c de x, donc je n'ai rien dit, c de x égale x au carré moins 1 plus x moins 1 fois x plus 2. Donc l'énergie x au carré moins 1, je me dis x moins 1 fois x plus 1. Et il y a a au carré moins b au carré, il y a a au carré moins a moins b fois a plus b. Donc plus x moins 1 fois x plus 2. Je n'ai rien dit, là, et nous x moins 1, c'est à vous. Donc là, je me ferai déjà comme. Donc, un facteur commun, donc x moins 1 fois x plus 1 plus x plus 2. Donc, égale x moins 1 fois 2x plus 3. Donc, il y a c'est 2x. Voilà. Regardez la question les bas. Donc, factoriser alors question B, donc a de x plus b de x. Okay? Donc, nous avons une factorisation de b de x, nous avons une factorisation de a de x. Donc, je n'ai pas a de x plus b de x. A de x, c'est x moins 1 fois x plus 5. Nous avons plus b de x, c'est plus x moins 1 fois x au carré plus x plus 1. Donc, plus x moins 1 fois x au carré plus x plus 1. Donc, je n'ai pas l'arbre, nous x moins 1, donc, égale x moins 1 fois x plus 5 plus x au carré plus x plus 1. Voilà, donc, égale x moins 1 fois l'énième statini x au carré plus 2x ou 5 plus 1 plus 6. Voilà, il y a a de x plus b de x. Dans la question C, on déduire une factorisation de a de x plus b de x moins c de x. Ça, c'est ce qu'on joue. Donc, égale a de x plus b de x, je m'entends à x moins 1 fois x au carré plus 2x plus 6 moins c de x, je m'entends à moins x moins 1 fois 2x plus 3. Kif kif, l'on est là, et nous, x moins 1 et x moins 1 est out. Donc, là, je me charge x moins 1. Donc, x moins 1, je vais prendre l'on x au carré plus 2x plus 6 moins le de bénéficie 2x moins 3. On a une parenthèse tout l'année, ok? Donc, je vais statiner, il y a x moins 1 fois x au carré, et il y a 6 moins 3, donc plus 3. Voilà, donc, il y a a de x plus b de x moins c de x. Voilà. كي اكي نكون كملت الفيديو نتاعي دونك تابوني على صابون ان شاء الله نهبط لكم تمارين اخرين اللي باش دونك تمكننا من فهم الدرس نتاعنا تمكنوا من انه نحفظوا تمارين نحفظوا عفوا يعني القواعد نتاعنا بالانجاز التمارين تمام.